Yo les gars, c'est OMFUT, j'espère que vous avez la forme. Putain, vous avez grandi. Non, je déconne les gars, j'espère en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16 et non sur le 17. Excusez-moi, parce que on est le 30 août. Voilà, du coup, voilà, j'avais pas envie de quitter FIFA 16 tout de suite. Je me suis dit, allez, on va faire un petit défi what the fuck pour la fin de FIFA 16. On va devoir jouer avec les mains dans le dos, les gars. Oui, on va jouer comme ça. Ça veut dire que je vais jouer comme ça, les gars, en mode autiste. Si vous me croyez pas, je vais jouer comme ça tout le match. Et ça va être très très chaud, je vous préviens. Bon, en tout cas, j'espère que vous m'entendez bien, parce que je peux pas mettre de micro en ce moment. Je suis en train de démarrer FIFA 16, et puis on se retrouve dès qu'on est sur FUT. Allez les gars, à tout de suite. Les gars, je vous regarde officiellement dans les yeux. C'est là la caméra. Je vous regarde officiellement dans les yeux, les gars. Je déclare cette équipe sacrée. Je vais disputer mon dernier match FIFA 16 devant vos yeux, et ce sera avec la manette dans le dos. On se retrouve tout de suite les gars, dès qu'on a trouvé un putain d'adversaire, nom de Dieu. Bon les gars, je vous avoue, j'ai fait la tapette, on va partir en match amical en ligne. On s'en bat les couilles les gars, le principal, c'est de réaliser notre défi, donc regardez. Continuez, allez on est chaud. Allez, on t'attend au prochain adversaire, pour notre dernier match FIFA 16, on t'attend. C'est un peu long en fait là, je commence à m'ennuyer tu vois. Ok. On a trouvé un adversaire, il a l'air totalement pourrable. Du coup, vous connaissez ces maillots. Si vous êtes des vrais, vous connaissez ces putains de maillots, les gars. Vous connaissez aussi ces joueurs. Si vous êtes des gros bâtards de FIFA et que vous aimez les tout droits, je mets ma manette dans le dos, excusez-moi. On va voir son équipe. Une équipe espagnole. Une équipe de Ligue espagnole, excusez-moi. Liga BBVA. Hors nom rare. Avec Umtiti, Barça. Donc, voilà quoi. Avec Lucas Digne aussi. Bon, honnêtement, les gars. Je vais pas tricher, je vais jouer avec la manette dans le dos. Voilà, je vais rester comme ça durant tout le match. Et je peux vous dire que ça va être très très chaud. Et que vous allez me voir suer comme un gros sac à merde. Allez, on se retrouve pour les meilleures actions du match les gars. En sachant que j'ai pas joué depuis longtemps. Et la récupération de Fegouli. Allez, José Gaïa, José est un moine. Allez, De Marcos, tu envoies pour Atsu. Tu envoies pour Atsu. Oh là là, dommage. Bien. Bon les gars, je vous avoue que c'est pas très facile de jouer les mains dans le dos. Surtout que en fait, des fois je me trompe de bouton parce que j'ai l'impression. Attends, je me concentre, je peux plus parler. Oh là 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 là, c'est sorti par le gardien. Et le match commence très très bien les amis. On a 2 minutes et ce match commence très très bien. Et je viens de me foirer, mais non, Atsu il rattrape le coup. Aïe, on se prend une contre-attaque des familles. Aïe. Les gars, je vais me faire douiller ma race. Oh là là, je me suis fait douiller ma race. Mais c'est pas grave, les gars, je vous dis, c'est pas grave. Attends, elle est là. C'est pas grave, on va égaliser, on se détend. Bon, une barre rentrante des familles, les gars, c'est pas très grave de toute façon. Rakitic, le physique. Konoplyanka, normalement, à skip 92 de vitesse, les gars. Aïe. Eh non, il est hors jeu, son culé, putain. Wesh, mais taclez-le, putain. Ils savent pas tacler. Je m'en bats les couilles de me prendre un but, les gars. Je vous le dis, c'est pas grave. Bon, on perd 2-0. Mais en même temps, comprenez-moi, les gars, c'est très dur de jouer avec la manette dans le dos. C'est même très chaud. Donc, comprenez-moi, les gars, s'il vous plaît. Lâchez-moi pas dans les commentaires. Je crois pas que tu vas marquer encore un trou de balle. Allez, avec CL1 triangle. Il va me mettre un but avec Adrian, quoi. Un vieux joueur non rare, quoi. Attention. Attention, la reprise de Zidane, attention. Alors là, attention. Ça va, franchement, avec les manettes dans le dos, je trouve que je gère plutôt bien. Je m'en mêle pas trop dans les boutons. Et je vais me prendre un troisième but. Et ben non. C'est vrai que c'est très dur. Vous pouvez essayer chez vous, si vous voulez, de jouer avec les manettes dans le dos. Et je viens de me prendre un troisième but, donc on va quitter et se retrouver pour un autre match, les gars. Les gars, vous connaissez cette équipe. Si vous êtes des vrais de vrais, de chez vrais de vrais, vous connaissez cette putain d'équipe. Cette fois-ci, on va lancer un bouclier des champions, les gars. On va lancer un putain de bouclier des champions, les gars, avec cette équipe. J'espère en tout cas qu'on va casser du cul, en tout cas. Mais tu vois, ça va être chaud, ça va être très chaud, les gars. Donc j'ai besoin de votre soutien, Mettez pause et mettez un like tout de suite, les gars, et on va gagner ce match. Si on perd, c'est à cause de vous, hein, si vous mettez pas le like. Donc, attends, il a vu le nom de mon club, il a vu CR7 and Messi, il a dû chier dessus. Non. Non. Aïe. Oh le, ça fait très mal, ça fait très mal au cul, ça. Ça fait très mal. Pourquoi moi, quoi. Sérieux, c'est... De toute façon, c'est n'importe quoi, ce jeu. De toute façon, c'est de l'arnaque. N'achetez pas FIFA, n'achetez pas le 17. Je vais être le premier à l'acheter. Après avoir un pauvre homme qui joue les mains dans le dos.
et qui va se faire péter le boule. Allez les gars, à tout de suite. Aïe aïe aïe, la petite faute. Oh, ils se sont mis un petit peu entre coéquipiers. Ça c'est pas bien, ça c'est irrespectueux. Ah là là, attention, si Gareth Bale. Là, c'est Gareth Bale, t'as compris la vanne. Prends-moi pour un con, va. Bolasie. Pas Bolasie. Je retire mes paroles. Aïe aïe aïe, je vais péter le cul. Oh là là, vous avez vu ce putain de bug des familles, les gars? Aïe aïe aïe, on va contacter Yesport, on va insulter tout son arbre généalogique. Aïe, il a tiré dans le vent. Je vous jure, c'est très chaud de jouer avec les manettes dans le dos. Et si je vous regarde pas, c'est parce que je regarde le jeu. Comme vous devez sûrement le savoir, j'ai pas 4 ou 5 œils. Aux yeux, comme vous voulez. Par contre, je commence à avoir mal au bras. Mais t'inquiète pas, y'a Théo Walcott, mon pote. Allez, arrête le jeu, donne-lui la balle. Les gars, comment vous voulez jouer? Là, normalement, vous allez me comprendre. Comment vous voulez jouer quand on joue contre un mec Kenko de Pakistanais? Pitié, mets la tête. Non. C'est de l'arnaque. En plus, j'ai mal aux épaules. C'est de l'arnaque. Déjà, cette putain de co, tu vois? Bon, allez, on sait que t'as marqué, t'es content. Ma merde, c'est vrai, faut que je mette les bananes dans le dos, j'avais carrément... Allez, sérieux, les gars, la connexion, quoi. Connectez-vous, bordel. Je fume des bédos tard, et je reprends ça le matin. Ma chérie, j'ai un Aladin, regarde nos têtes, pas la paix. Marqué par la light, la rue nous a pas raté. Et puis je suis pour calmer mes nerfs, dans le rap, on est venu faire le ménage. Très vite, fille à payer pour ma mère, et j'ai une balle en te dé pour les larmes. Ta tante la chauve. On se prend un but par Sergio Busquets en sachant qu'il a 53 de vitesse. J'ai mal aux épaules, je souffre pour vous, tu vois. Et puis eux ils me font ça, c'est d'enculé. Et puis en plus ils laissent le ralenti, tu vas voir. Prochaine fois je laisse le ralenti. Je vais recadrer parce que... Putain, je peux pas jouer en même temps et recadrer. Putain de ta mère la grande chauve. Écoute-moi, putain de mandanda de merde là! Mandanda, qu'est-ce que tu fous là déjà? Et puis on n'est pas là pour un crossbar challenge, putain, t'es là pour marquer, enculé quoi! Regarde derrière, il était. Oh! Putain, sérieux quoi! Regardez, je spam rond les gars, rien que pour le tacler sa mère la chauve. Allez, bolasie, je te fais confiance. Oui! Non! Fils, putain, bolasie! Comment bien finir FIFA 16 les gars? Attendez, je vous prends dans mes bras, mes bébés. Comment bien finir FIFA 16? Bah sur ça, tout simplement. Maintenant, je suis con, vous voyez. Voilà comment finir FIFA 16 bien, les gars. Donc, regardez bien. Hop, j'arrête l'enregistrement. Et j'éteins la télé. Regardez bien. Allez. Bon, écoutez, les gars, j'espère en tout cas que cette vidéo... vous aura fait kiffer et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les gars, vous lâchez un gros like hein. Attendez, vous me verrez mieux comme ça. Vous lâchez un gros like, surtout n'hésitez pas. Et surtout abonnez-vous si c'est pas encore fait les gars. Prochaine vidéo sur FIFA 17, normalement. Je vais pas vous... peut-être un deuxième canular, on verra les gars. Moi je vous le dis en tout cas, c'était Wemput. Et à la prochaine. Je peux pas croire ce qu'il y a devant.